agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. J'ai besoin de dormir. Oui. Madame? Madame Isadora? Vous êtes très pâle. Vous vous sentez bien? Oh, je ferais mieux de voir ça avec Emma. Non, 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 on n'appelle personne, Félicité. Je veux qu'on me laisse tranquille. Rends-moi service, sors et ferme cette porte. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de dormir, de me reposer, d'oublier. Laissez-moi dormir. J'ai besoin de dormir. Qu'on me laisse tranquille. Dormir. Estella, il se passe rien avec le mien et le tien. Oh non, à mon avis, ça marche pas ce truc, ma puce. Montre-le-moi, apporte-le-moi. Bon, eh bien, alors regarde-toi. Non, c'est pas la bon, peine. D'accord, ça va. Mais enfin, regarde ce trait-là, on dirait qu'il s'est rien passé. Je sais pas, moi. Non. Tu crois que c'est parce qu'on le fait mal? Tu crois que c'est à l'envers? Où sont les instructions? Je sais pas, je les ai jetées, je veux pas... Comment ça, tu les as jetées? Pourquoi tu les as jetées? Bon, écoute, finalement... Je voulais seulement... Oh. Mais je me disais que quand même, que ce serait bien si j'avais un petit Samir, tu vois un peu? Oh, eh bien, ce serait super mignon, super chou. Et bon, ce qui est sûr, c'est que si j'ai un bébé avec Limaco, il va sortir direct avec une mini peau. Mini tête de hérisson. Ah oui, ah, un bébé mini tête de hérisson. Vivi, tu sais à quoi on n'avait pas pensé? Quoi? Eh bien, si on est enceinte, on aura des petits métis. Et si on donne naissance à des petits métis, on va nous chasser de cette famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je veux voir ma maman. Valentina, chérie, écoute, viens me voir. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu ne peux pas aller la voir. Parce qu'elle doit se reposer, il ne faut pas qu'on la dérange. Alors tu vas rester ici bien sage. Je ne la dérange jamais, tu entends? Oh non, Valentina, ne parle pas comme ça, Félicité. Ta maman se repose parce qu'elle a mal à la tête et on va la laisser se reposer tranquillement, d'accord? Mais je ne comprends pas ce qui lui arrive. Parce qu'elle passe tout son temps à rester au lit et elle se sent mal. Elle est malade? Oh non, ma chérie, viens là. Assieds-toi ici avec moi et ne t'inquiète pas. Ta maman a eu des journées très éprouvantes. Par contre, ta mamie, qui t'aime vraiment beaucoup, mais qui a été un petit peu malade, aimerait que tu prennes le goûter avec elle. D'accord, mais quand j'aurai terminé, je vais monter voir maman. Et c'est peut-être justement pour ça que je te plais, hein? Parce que je réfléchis avec le cœur, parce que je ne pense pas comme les autres. Et c'est reparti pour un tour. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Eduardo. Mais ça se voit à 10 km que cette déprime, tu la traînes à cause de cet imbécile de Climaco. Parce que je suppose que ce n'est pas à cause du succès de la pub.
Je ne suis pas déprimée du tout, Eduardo. Et ne te mêle pas de mes affaires, parce que je ne permets qu'à mes amis de me conseiller. Tu n'en fais absolument pas partie. Ah, et monsieur Ranieri, comment allez-vous? Rani, comment ça va? Quelle surprise! Oh, franchement, j'adore quand tu passes ici. Eduardo, il faut que je vous parle. C'est à propos de la pub qui passe à l'antenne. Y a un problème? D'où est-ce que vous avez sorti ce Climaco? Le métis qui joue ton partenaire dans ma pub. Je peux savoir qui l'a embauché? Salut, Chuito! Comment vont les affaires? C'est pas croyable, regarde qui est là! C'est le gars de la pub! C'est trop beau, on va lui demander un autographe. Oh là, c'est chaud! Attendez, je me pousse! C'est pas pour moi tout ça! Alors, écoutez-moi, vous allez faire la queue par ordre de taille, d'accord? Alors toi, tu vas derrière. Ça alors, regardez-moi ça, franchement, c'est vraiment incroyable! Venez par ici, mademoiselle! Toi, c'est quoi ton nom? C'est un vrai succès, Rani, n'est-ce pas? C'est trop top! Je peux savoir qui l'a embauché? Excusez-moi, une petite question, monsieur Ranieri. Vous n'aviez pas vu de photo de Climaco avant? Vous... Jessica, ne vous avez pas montré une photo avant qu'on tourne le clip? Une photo? Moi, personne ne m'a absolument rien montré avant de filmer. Mm-hmm. Bon, vous ne m'avez pas répondu. Je peux savoir qui l'a embauché? Monsieur Ranis, qu'il y a... C'est moi, oui, c'est moi. Franchement, je pensais que c'était la meilleure option pour la figure masculine de votre entreprise. Food Market. Eh bien, Eduardo, tu ne t'es pas trompé. Et franchement, ce n'est pas pour rien que tu fais ce job. Tu as un œil incroyable pour découvrir le talent publicitaire. Je te félicite. Ah, bravo, Eduardo chéri, félicitations! T'es un vrai héros. Oh, écoutez, vous étiez tellement sérieux, monsieur Ranieri, vous nous avez fait bien peur. Bon. Non, en fait, je dois vous avouer que je n'avais aucune confiance en Climaco. Mais tu l'as fait, tu ne t'es pas trompé. Bon, eh bien, maintenant, va me le chercher, je voudrais le voir. Je veux lui faire un contrat d'exclusivité. Je veux que personne ne me le vole. Oh, mon Dieu, il faut que je te sorte d'ici, ma belle brune. Et il faut que je le fasse dès que possible. Tout de suite même, tu ne mérites pas tout ça. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais vous ne pouvez pas avoir d'entretien avec la détenue Barbarita Blanco. Pardon? Pardon, ma sœur, mais pourquoi ne puis-je pas parler à Barbarita Blanco? C'est simple. S'il n'y a qu'un trait rouge, on n'est pas du tout enceinte. Et s'il y en a deux, on est tout à fait enceinte. C'est-à-dire, on a des garçons, des filles qui grandissent dans nos ventres, ok? Ouais. Alors, il est comment le tien? Il a changé? Non, il n'y a qu'un seul trait. Le tien? Fais voir. Oh, Stella, je sais pas, on dirait qu'il est en train de... Donne-moi ça! Vivi, le tien a deux petits traits rouges, regarde, il y a deux traits rouges et le mien, il y en a qu'un. Non, tu t'es trompée, tu les as changés, non, celui-là, c'est le tien. Non, je ne les ai pas changés, je suis sûre que celui-là, c'est le mien. Tu as deux traits rouges, c'est vrai, tu as un petit Climaco dans ton ventre, je vais être tante. Tu es enceinte, Viviana, regarde. Ça, c'est deux traits rouges. Non, je suis vraiment désolée, mais je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir parlé à Barbarita. Monsieur... Pour moi, ça n'est pas un argument le fait qu'elle ait reçu d'autres visites. Monsieur, laissez-moi parler. On ne vous a jamais appris à respecter les règles. Vous ne pouvez pas voir la détenue puisqu'elle est souffrante. Comment? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant, ma sœur? Qu'a-t-elle donc? Écoutez, la détenue vous expliquera elle-même lors de votre prochaine visite le mal dont elle souffre. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Non, mon Dieu. Encore 4 jours avant de savoir ce qu'elle a. Encore 4 jours avant de la voir. Ok, ma sœur, ok. Ok, d'accord, je me retire, mais... Mais je vous en prie, remettez-lui ses fleurs. Et dites-lui que... qu'elles sont de la part de Miguel. Et... bon, quand vous les lui donnerez, s'il vous plaît, dites-lui que... que je suis avec elle. Et que je l'aime. Maman chérie, c'est moi. Hé, Valentina, laisse ta maman tranquille, elle est en train de se reposer. Maman, lève-toi, ce n'est pas la nuit. Valentina, ne fais pas ça. Maman, lève-toi. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ma maman? Elle ne se réveille pas. Maman, réveille-toi.
Oh, ma chérie, tu es sous le choc, pas vrai? Mais dis-moi quelque chose, enfin quoi, comment tu te sens? Je sais pas, moi, à quoi tu penses? Oh, je sais pas, Stella. Bon, malgré tout... Malgré tout, c'est vraiment beau. Enfin, c'est comme si le destin l'avait décidé pour nous. Je veux dire, pour Climaco et moi. Et tu vois, parce que malgré la distance, un enfant unit toujours les parents pour la vie, non? Tu es beaucoup trop tragique. Non, non, c'est que... Franchement, je suis heureuse, Estella. Parce que même si Climaco et moi, nous nous sommes séparés, il y aura toujours cet enfant pour nous unir. Ça va me faire pleurer, moi aussi. Et le tien? Il a changé de couleur? Tu as les deux traits? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a toujours qu'un trait. Il s'arrête à mi-chemin. Oh, dis-moi, tu crois que c'est un signe? Que c'est un signe du destin qui dit que Samir et moi, nous ne pouvons pas être ensemble plus vite? Tu crois que c'est ça? Estella? Vivi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes enfermée dans cette salle de bain? Ouvrez! Que se passe-t-il là-dedans? Madame Isadora? Madame Isadora? Oh non! Non, ça ne va pas du tout, Valentina. Je t'en prie. Qu'est-ce qui lui arrive à ma maman? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, ma chérie, mais cours! Cours chercher ta grand-mère et Emma! Vas-y! Il lui est arrivé quelque chose de mal, hein? Quelque chose de mal! Écoute-moi, Valentina, et cours! Madame Isadora, je vous en prie! Oh, Seigneur! Oh, Vivi, pauvre chérie! On peut savoir ce que vous êtes en train de faire, vous deux? Grand-mère! Grand-mère! Viens vite avec moi, ma maman va très mal! Mais Isadora, qu'est-ce qui lui est arrivé, ma chérie? Oh, écoutez, Madame Emma, je vous accompagne. Ah oui, va arranger ce problème. Allons-y. Oui, allez. Oh non, ça alors tu parles. Je suis même pas enceinte! Oh, Madame Isadora, écoutez, s'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Oh, Sainte Vierge, s'il te plaît, ne laisse pas mourir cette jeune femme, Isadora. Isadora, je vous en prie. Maman chérie, maman, qu'est-ce que t'as? Félicité, qu'est-ce que peut bien avoir Isadora? Je ne sais pas, mais je ne peux pas la faire réagir, Emma. Grand-mère, qu'est-ce qui arrive à maman? Pourquoi elle ne ma travaille chérie, pas? Calme-toi, calme-toi, écoute, tu vas chercher tout de suite Selina pour qu'elle appelle Rolando, d'accord? Oui, je vais le faire, mais alors, s'il vous plaît, ne laissez rien de mal arriver à ma maman. Non, ma puce, ne t'inquiète pas, vas-y. Vas-y, chérie, vas-y. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais maman, pas. Maman, qu'est-ce qu'elle a, Isadora? Eh bien, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut la transférer d'urgence à la clinique, sinon Isadora va mourir. Oh. Allez, salut, ma sœur. Waouh, quelle jolie fleur, ma sœur. Pour qui sont-elles? Elles sont pour celles à qui on offre des fleurs dans une prison. Pour la Vierge. Oh oui. Ici, on ne pose pas de questions aux sœurs. Alors t'arrêtes tes bavardages et tu frottes gentiment par terre, ok? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Où ça? Ici. Écoute, Trini, Barbaretta est en train de vivre un moment très dur, très difficile. C'est normal qu'elle manque de force. Tu t'angoisses beaucoup trop. Et puis, tu t'imagines des choses qui ne sont pas. Oh, Tonia, tu ne peux pas le nier. Tu sais très bien que je ne me trompe pas pour ces choses-là. Ma fille est enceinte. Ah oui, et voilà. Le docteur Trinidad a fait son diagnostic. On peut savoir sur quoi il se repose. Où sont les examens? D'où est-ce que tu sors que Barbaretta est enceinte? D'ici. C'est mon cœur qui me le dit. Je l'ai mise au monde. Très bien. Alors, il faut en parler à Miguel. Non, 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 non. Pourquoi le dirais-tu à Miguel? Ah, tu vois un peu? Maintenant, tu n'en es plus si sûre. Non, je n'ai pas de doute. Mais pourquoi on le dira à Miguel maintenant? Ça ne va pas. Ah, parce qu'il faut en être sûre. Bien entendu qu'il faut en être sûre, Trini. Grand Dieu. Tête de lard, franchement. Bon, je... Ah! Ah! Tonia, comment ça va?
Et comment va la plus belle femme du monde? Je ne suis pas d'humeur à ça. Comment ne pas être d'humeur à recevoir des fleurs? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Portugais? Non, toi, tu n'as rien à faire. On va s'en sortir ensemble. Et voilà de quoi donner un petit coup de main, même petit, à notre amour. Pour nous recharger d'énergie. Et continuer à affronter les problèmes de notre fille. T'en dis quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Je te le dis avec ça. Ah! Oh mon Dieu! J'espère qu'il m'arrivera rien. Oh, oh, Sainte Barbara, prends soin de mon bébé. Oh, je suis mal. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Arrête ton cinéma et travaille, Miss. Et toi, lâche-la, ok? Écoute, Miss, si tu ne me nettoies pas ces cellules à fond, je vais te les faire nettoyer toutes. Alors mets-toi au boulot et nettoie-moi tout ça. Et toi, je t'ai dit de la laisser tranquille. Elle n'est pas manchotte et elle n'est pas née mal formée, ok? T'inquiète pas, tu sais. T'inquiète pas, je peux le faire. Tu J'ai vois mal, pas mais je peux le faire. Je vais le faire. Tu vois pas qu'elle Attends. Pourrait claquer la petite, hein? Tu vois pas qu'elle se sent mal? Oh, j'ai trop mal. Oh mon Dieu. Pauvre. Oh, j'espère que c'est pas mon bébé. Oh, pourvu que ce soit pas mon bébé. Oh, j'en peux plus, vraiment. Voyons voir. Voilà, il y en a des reins disponibles, il y a de quoi se servir. Ça tombe très bien parce que si Miguel s'avère ne pas être compatible, je suis désolé. Ray, mais moi, mes reins m'appartiennent. Très bien. Reins, transplant et... merveilleux. Non, en fait, je pourrais t'emmener. Je pourrais t'emmener ailleurs, Ray, pour que tu reçoives ce rein. Bien sûr, ça me coûterait cher, mais de toute façon, j'ai l'argent des actions de David. Et je peux en profiter. J'échapperai ainsi à ce jugement qui se profile dangereusement. Et j'emporterai l'argent ailleurs. Je pourrais aller en Colombie, mais je peux aussi aller ailleurs. En fait, je vais changer mes plans. Finalement, ça me convient bien que Miguel ne soit pas compatible. Et je vais m'en occuper activement. Oui, monsieur, le héros, cette fois-ci, ce sera moi, Miguel. Non, te tracasse pas pour moi, tu sais. Oh, tu vas avoir des ennuis à cause de moi. Vous arrêtez de rigoler. Et toi, tu te remets à frotter la nouvelle, allez. Écoute, appelle le médecin Rosenda, parce que si cette nana meurt ici, c'est toi qui vas ramasser, c'est clair? Oh, la rage d'ant, quel caractère! Toute gentille avec la petite nouvelle. Non, j'y arrive, tu vois, ça commence à passer, je vais le faire. Écoute, camarade, tu fais pas le ménage ici tant que tu as mal quelque part, c'est clair, non? Écoutez, vous arrêtez cette comédie maintenant, ok? Tu vas te lever de ce lit tout de suite, allez! Ne la touche pas! T'as entendu? Parce que je te... Oh, je vais faire voler les dernières dents qui te restent, c'est clair? Reste là, ma vieille, reste là, parce que je vais faire le ménage. C'est moi qui nettoie, t'entends? Maintenant, plus personne ne va croire à ta réputation de dure. Laisse-la donc, Rosenda. Regarde, la rage dent est au petit soin avec sa protégée. Qu'est-ce que t'as dit, hein? Répète un peu ce que t'as dit! T'as compris, t'as très bien compris. Et je la soutiens, on va voir si tu vas nous faire voler nos dents à toutes les deux. Allez, viens, bon, là, vous me cherchez. Non, non, allez, non, c'est non. Parti. Non, camarade, s'il te plaît, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Toi, reste tranquille, parce que le sang va bientôt gicler. Allez, allez, viens, viens, allez, viens, viens, viens. Mais enfin, monsieur, excusez-moi. Regardez-moi un peu où Attendez, vous mettez mademoiselle, je vous aide. Rendez-moi ça, s'il Qu'est-ce vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi ça, je Copie suis pressée. Copie du dossier de Barbarita Blanco, cas Wilfried Melendez, enlèvement de David Aristigueta. Mais donnez-moi ça, vous êtes vraiment indiscret, ça ne vous regarde absolument Mais comment voulez-vous que ça ne me regarde pas? C'est moi qui suis l'avocat de la défense de Barbarita Blanco. Ah, vraiment? Vous êtes l'avocat de la défense? Mais oui. Eh bien, laissez-moi vous dire tout de suite que je suis mandatée comme représentante fiscale de la cause. Et préparez-vous parce que je compte condamner Barbarita Blanco. On est franchement au top avec toi, c'est moi qui te le dis. Ah, j'ai même pas le temps de te dire bonjour, petit mec. J'ai besoin que tu signes ici. Quelle surprise. Que je signe quoi? Ici. Écoute, Jessica, je vais plutôt t'attendre dans Vas-y, la voiture. T'inquiète pas. Écoute, Jessica, viens là. Hein? Viens là, je t'ai bien dit de ne pas me mentir J'ai à propos... J'ai besoin que tu me signes ça, là,
Climaco. Climaco, on a réussi, t'imagines pas tout ce qu'on a réussi, et ensemble en plus. Tu es en train de me parler de la pub? Je te parle du fait que ton grand jour est arrivé, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Écoute, le patron de Food Market t'a établi un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire pour que tu joues exclusivement pour son entreprise. Climaco, tu vas être riche, super riche, mon sou. T'es sérieuse? Je te jure. Jessica, c'est sérieux, mais j'arrive pas à le croire. C'est génial. Et où est-ce que je signe? Dis-moi, je signe où? Viens. Tiens. Ça y est? Oh, attends, je suis tellement stressée que je l'ai mis à l'envers. Regarde. Une petite minute, Climaco. Je voulais vraiment te remercier parce que, eh bien, tu n'imagines pas comme je suis contente pour toi et aussi que nous arrivions à un moment comme celui-ci. Signe, là. Voilà. Vous êtes donc bien l'avocat de la défense, j'ai bien entendu. Arturo Liscano. Ah, appelez-vous comme vous voulez et préparez-vous, car je compte bien faire condamner votre cliente. Mais vous me surprenez beaucoup. Vous êtes représentante fiscale, mais aussi juge sur cette affaire. En fait, vous avez déjà une condamnation toute prête, n'est-ce pas? Ou bien alors, expliquez-moi comment il se fait que la condamnation soit déjà décrétée avant même que le jugement n'ait commencé. Eh bien, je fais tout simplement mon travail. Dites-moi, pourquoi n'irions-nous pas en parler ailleurs? Il y a un peu trop de monde ici, ce n'est pas facile d'avoir une conversation tranquille dans ce brouhaha. Acceptez-vous un café? Quand j'accuse un coupable, je ne prends pas le café avec sa défense, et encore moins dans ce cas-ci. Moraima Ferrer, souvenez-vous-en. Moraima Ferrer, d'où est-ce que je connais cette femme? Elle me parle sur un ton tellement agressif, je n'ai jamais vu ça, ça ne me plaît pas du tout. Ah, cette représentante fiscale va sûrement me rendre le cas beaucoup plus difficile qu'il ne l'est déjà. Barbarita, ta liberté devient problématique. Et pourtant, je ne voudrais pas que ce soit toi. Précisément toi, ma première défaite. Pas toi. Non. Santé! Et célébrité! Ce n'est vraiment pas le moment de faire la fête, Jessica. Bon, on y va, on a beaucoup de travail au bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Eduardo? Faites ça avec nous! Et je trouve ça de très mauvais goût que tu m'aies laissé à t'attendre dans la voiture avec cette chaleur pendant que toi, tu buvais des coups avec tes amis. Excusez-moi. Mais écoute, pardon, Eduardo, le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi tu es si pressé, nous n'avons rien à faire, tu sais. Eh bien, peut-être que toi, tu n'as plus rien à faire, mais moi, par contre, j'ai des choses à faire. Donc, je te laisse de l'argent et non, tu rentres non, en taxi. Écoute un peu. Garde ton argent, Eduardo, on n'en a pas besoin. Si tu veux, je la raccompagnerai plus tard. Comme tu voudras. Climaco, écoute, pardonne-le. Franchement, il n'est pas comme ça, je te jure. J'imagine que c'est à cause de tout le stress du travail, tu vois. Le stress du travail? Quel stress du travail? Certainement pas. C'est autre chose, et ça, je le sens. Mais moi, eh bien, ça m'est égal. Ce type et ses histoires vont pas me freiner avec toi. Et te freiner en quoi? Eh bien, pour fêter ça. Et cette petite fête qui, eh bien, n'est rien à côté de tout ce que je te dois. Écoute, Jessica, je veux profiter du fait qu'on soit seul maintenant pour que tu entendes de ma propre bouche combien ton arrivée dans ma vie a été importante. Parce que tu es arrivé juste à temps pour changer mon destin. Santé. Santé. Salut, mon orang-outan. Salut, ma petite poule. Je suis venu parce que tu m'as juré que c'était la dernière fois que nous allions nous voir. La dernière fois où nous serons absolument seuls. Entre. Petite poule, ma petite poule, ma toute petite poule. Ne fais pas ça, ne me torture pas comme ça parce que vraiment, chaque jour, tu es plus éphémère. Tu fonds comme ça, exubérante, comme si... Ah, ça suffit, ça suffit. Non. Je ne veux pas te torturer, mon orang-outan. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu restes avec moi ce soir. Mmh. Que tu dormes avec moi, mon adorable orang-outan. Parce que Gaëtan ne rentre pas dormir aujourd'hui. S'il te plaît, reste avec moi, oui. Les histoires de ma fille me préoccupent. Je veux rentrer chez moi. Pardonne-moi, Gaëtan. Mais enfin, je n'ai rien à te pardonner. C'est plutôt moi qui te demande pardon, hein? Je ne pensais pas que je devais te consulter avant parce que, je ne sais pas, c'était notre moment à tous les deux. Et nous en avons tellement besoin. Nous en avons besoin pour tout. Pour notre fille.
Et à moins que, je sais pas, qu'on se jette d'ici, qu'on saute. Qu'est-ce que tu dis, Gaston? Il faut qu'on arrive à la station, si tu veux rentrer. Si c'est ça que tu veux. Oui, c'est ce que je veux, mais... Oh, pardonne-moi, d'accord? La seule chose que je ne te pardonne pas, c'est de t'en souffrir. Mais je peux comprendre. Arrête de souffrir, enfin. Ah, laisse-moi tranquille. C'est vrai, tu as besoin de redonner un peu d'éclat à ta vie, qui est aussi la mienne, Trinidad. Oh, Gaëtan, je ne sais pas comment faire. Je le voudrais, mais je ne sais pas comment faire. Et cette histoire avec Barbarita m'exténue tellement, je ne sais pas. Détends-toi un peu. Regarde autour de toi. Regarde un peu tout ça. C'est vrai, regarde autour de toi et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui t'adorent, qui t'aiment comme moi. Et c'est cet amour qui va te donner des forces pour surmonter cet affreux cauchemar. D'accord. Allons dîner alors. Mais ne pense plus au petit déjeuner. On dîne et on rentre. Chacun rentre chez soi. Ah oui? Oui. Et la nuit spéciale? Cette nuit spéciale a eu lieu il y a longtemps. J'y pense encore, mais toi et moi, nous sommes très différents maintenant. Et maintenant, ce n'est plus la Saint-Jean et il n'y a plus de tambour pour nous deux. Pas cette fois-ci. Hmm? Tu veux que je joue du tambour pour toi? Arrête. Alors, mon orang-outan, tu ne vas pas me laisser danser toute seule? Ou serait-ce que je ne te plais pas, peut-être? Néna, comment tu pourrais ne pas me plaire? Tu es si... C'est quoi? Tu es la tentation en personne, tu vois, là. Tu sais, je me demande comment ça se fait que le portugais ne soit pas lancé sans frein à travers ce paysage pour parcourir tout ce territoire, ces montagnes russes, ces collines et ces vallons. Et... C'est vrai qu'il ne rentre pas ce soir. Il m'a dit qu'il avait une réunion de haut niveau. De haut niveau? Bon, je n'ai pas compris grand-chose, mais en vérité, ça m'est égal. Ah, c'est du joli! C'est comme ça que je voulais vous attraper. Maintenant, vous allez continuer à me dire qu'il n'y a rien entre vous deux, hein? Gaëtan, je sais que j'ai accepté de dîner avec toi, mais... Ce n'est pas bien. Notre fille est là-bas, en prison, avec tous ses problèmes, et nous au restaurant. Rentrons à la maison, madame, s'il te plaît. Non, madame. Pas question, si tu ne veux pas le faire pour nous, fais-le pour toi, au moins. Car enfin, tu dois manger. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade, et si tu tombes malade, tu compliques beaucoup les choses. Alors écoute, oublie tout pendant un tout petit moment. Ah non, je serai en train de me mentir. Eh bien, et alors, mentons-nous. 2 heures de repos, ça ne peut pas faire de mal, tu ne crois pas? On va faire une chose. Offre-moi ça. Fais-moi ce petit cadeau. Permets-moi de t'offrir un bon moment rien qu'à toi. Tu es d'accord? Bon. Bien bon. Bon. Allons-y. Comme ça, c'est bien mieux, Tabata. Calmement, sans crier, comme parlent les gens civilisés, polis, décents, enfin... Mais enfin, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que tous les deux, vous me preniez pour une idiote. Non. Écoute, jeune fille. Ton père et moi, la seule chose de laquelle on parlait, c'était de ce qui nous relie. De nos enfants, de ma Vivi et de ta tête de hérisson de frère. Écoutez, madame Néna. Tout le monde sait très bien que Viviana et Climaco ne sont plus ensemble. Ok? D'ailleurs, mon frère a même une autre petite amie et il est super célèbre et tout. Et de toute façon, mon père est au courant de tout ça depuis un bon bout de temps. Qui est célèbre? Tête de hérisson? Oui, à la télévision et ailleurs pour votre gouverne. Ça vous fait quel effet? Oui, ça, c'est exactement ça. C'est de ça dont je parlais avec la dame, Tabata. Tête de hérisson célèbre? Mais enfin, ça va devenir très grave, parce que maintenant, ma Vivi va s'intéresser encore plus à lui. C'est vrai que ton fils a beaucoup d'argent? C'est vrai? Eh bien... De l'argent? De l'argent? Mais enfin, maman,
Qu'est-ce que tout ceci signifie, hein? Ce type est venu ici à la maison? Attention, je suis dangereux, fais gaffe! Du calme, mon chéri, du calme! Tout ça commence à devenir très intéressant. On va bientôt basculer dans une grande réconciliation nationale. Les pauvres avec les blancs, les noirs avec les riches. Hein, les riches. Oh, enceinte de Climaco. Moi, enceinte, il manquait plus que ça. J'essaye de l'oublier, et maintenant, son bébé grandit en moi. Oh, que faire? Comment faire avec Raimundo? Chut. Reste comme ça, ferme les yeux, calme-toi. Où est-ce que tu vas, hein? Eh bien, le truc, c'est que je voulais te demander... Jessica, comment tu fais? De quoi tu t'inspires pour écrire des chansons tellement dramatiques? Je t'ai déjà dit pendant le concert d'où venait mon inspiration. Non, je suis sérieux. Tu dis que c'est moi qui t'inspire ces chansons, mais... Mais comment tu faisais pour écrire tout ça avant de me rencontrer? Tu veux connaître la vérité? Oui. Je m'inspire de mon cœur malade, des passions extrêmes, de toutes les trahisons, de la mort, de la guerre. C'est de ça dont parle l'amour, non? Enfin, je veux dire, de la douleur. Eh bien, dis-moi, c'est intense, non? Le plus intense de tout, c'est d'être au lit avec celui qui va causer ma ruine. Parce que si à force de recevoir tant d'amour, je perds le sens de la douleur, je vais devoir renoncer à écrire de nouvelles chansons à cause de toi, mon amour. Qu'est-ce qu'elle a eu, Isadora, maman? Ah, bon, Miguel, calme-toi. Écoute, on lui fait un lavage d'estomac et... Et voilà, grâce à Dieu, elle réagit assez bien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui a pris? Comment a-t-elle pu vouloir mettre fin à sa propre vie? Enfin, Miguel, il faut aussi la comprendre. La pauvre a eu beaucoup de déceptions. Et bon, voilà. Elle a pris une boîte de cachets pour calmer son stress. Ah oui, c'est clair. Elle y est allée un peu fort, elle a bien failli se calmer à tout jamais. Estella. La mauvaise conscience la tuera. Mais enfin, Miguel, c'est ça ta réaction? La mère de ta fille a failli mourir et c'est ça ta réaction? Fantastique, dis donc. Maman, enfin, je sais très bien ce qui arrive à Isadora. Et ça ne me fait pas du tout plaisir, au contraire. Valentina, on sait quelque chose? Quoi? Évidemment qu'elle sait, vu que cette pauvre petite l'a vue en train de traverser la ligne où c'est écrit infini, enfin. Oh, Miguel, mais... Miguel, ne t'inquiète pas, après tout, elle était là avec Madame Bernarda et avec Félicité. Par contre, elle a quand même été un petit peu impressionnée. Oh, ma pauvre petite fille chérie. Ce n'est pas juste pour elle. Ça va, grand-mère? Tu vas bien? Tu m'attendais? Chut, parle moins fort. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle s'est endormie ici? Chut, mais parle moins fort. Ok, ok. Enfin, tu vas la réveiller. Je suis en train de parler tout bas, là. Emma n'est pas là. Et où est donc ma mère, hein? Isadora a tenté de se suicider. C'est quoi cette histoire? Isadora a fait quoi? Chut, tais-toi, toi. Oui, bien sûr, vous pouvez entrer. Merci. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Maître Liscano, hein? Bonsoir, maître. Quelle agréable surprise. Croiser deux fois dans la même journée la femme qui veut ruiner ma carrière naissante de défenseur des innocents. Mais pourquoi? Mais comment elle a pu faire ça? C'est complètement stupide, grand-mère! Comment Isadora a pu faire ça? Elle a pas laissé un mot, une lettre, je sais pas, moi. Tais-toi donc! J'ai eu beaucoup de mal à la calmer, elle s'est enfin endormie! Elle voulait à tout prix aller à la clinique voir sa mère. Je ne sais pas comment Isadora a pu faire une bêtise pareille. C'est impardonnable, grand-mère, quelle idiote. Elle n'a pas laissé un mot ou dit quelque chose, je sais pas. Non. Elle n'a pas laissé de mots et d'ailleurs arrête d'insulter Isadora, ça suffit. Et pourquoi tu veux tellement qu'elle ait laissé un mot? Pour savoir pourquoi elle l'a fait, grand-mère.
parce que je ne comprends pas, je peux comprendre qu'elle soit perturbée parce qu'on a tué un homme dans sa maison, ok, mais c'est pas une raison pour se suicider, soyons clairs, et surtout pas pour un homme que personne ne va pleurer, enfin. Oh, Rodolfo, mon Dieu, en quel type d'être humain t'es-tu transformé? En celui dans lequel on m'a transformé dans cette maison, grand-mère. Ne me regarde pas comme ça, d'accord? Excuse-moi, mais j'en ai marre de Barbarita Blanco, j'en ai marre d'elle et de tout ce qu'elle nous a fait souffrir. Idem pour Isadora, j'en ai vraiment marre. Oui. De toute façon, elle est en prison. Non, grand-mère, non, parce que même si elle est en prison, je sens qu'elle a un pouvoir sur nous, comme si elle continuait à avoir de l'influence sur nous, grand-mère. Après tout ce que j'ai dû supporter en Colombie, moi j'en peux plus. Arrête, c'est bon, non, écoute, non, non, arrête, grand-mère. Ça suffit non, comme ça. Non, parce que je me réveille toutes les nuits. Moi, après les horreurs que j'ai dû vivre, je voulais rentrer chez moi et retrouver un peu de paix, grand-mère. Et qu'est-ce que je trouve, hein? Cette femme avec mon fils qui me manipule et qui me fait du chantage. Je sais plus quoi faire, grand-mère. Le mal que cette femme m'a fait. Ce mal est irréversible, grand-mère. Irréversible! Allez, mon chéri, on va bientôt y arriver. On va y arriver. On ne peut pas perdre tout contrôle. Il faut être fort. Je ne peux pas être plus fort, grand-mère. J'en ai marre d'être fort. Je sais même plus ce que je peux faire. Il y a tant de douleur, tant de malchance. Oh, ce lit. Cette maison ne sera plus jamais la même, pas vrai? Je ne sais pas, ici c'est de la folie ce qui se passe, ma fille. Oui. Imagine, c'est comme si tout le monde avait perdu tout contrôle sur sa vie. Non, c'est pas que le contrôle qui se perd. Mais par contre, il y a d'autres choses qui se perdent ici. Félie, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça, Célie? Oh, toi alors, surprise! C'est un test de grossesse, Félie. Et d'après mon expérience dans ces affaires, et là, par contre, j'en ai vraiment beaucoup, la personne qui a fait ce test est bel et bien enceinte. C'est vrai, Célina? Je dirais bien enceinte et terrorisée, Félie. Parce que, regarde-moi ça un peu, cette corbeille est remplie de tests de grossesse. Oh, Célina, tu crois que c'est Madame Isadora? Non, je ne crois pas que ce qu'elle a fait, elle l'a fait à cause de ça, non. Célina? Estella? Oh mon Dieu, non. C'est pas possible, Célina. Ce n'est pas pensable. Mon Estella, c'est-à-dire ma petite Estella enceinte, Célina? Non, mais si. Que d'ironie nous réserve la vie. Isadora veut mourir et moi... j'ai cette nouvelle vie qui pousse à l'intérieur de moi. Oh ma chérie, ce que je me disais, c'est tant mieux que mon test de grossesse soit négatif, parce que là, c'était sûr que mon mariage avec le chèque était fichu. Estella! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu penses que tes problèmes avec Shamir vont se résoudre en te mariant avec ce prince? Enfin, tu déraisonnes avec cet homme. Écoute, je vais te donner un conseil. La pire chose que tu puisses faire, c'est te marier avec le prince sans être amoureuse, d'accord? Ah, ça suffit, hein! Fiche-moi la paix, toi, avec ta morale! Et tu crois que c'est quoi, l'amour, hein? Un truc que nous inventons, nous, les femmes, parce qu'on est bêtes et sentimentales? Regarde-toi, regarde! Oh oui, je me vois. Effectivement, pour moi, c'est clair, aucun doute. Climaco n'est pas parfait. Peut-être que c'est une chose que nous inventons, nous, les femmes, comme tu dis. Mais toi aussi, regarde-moi. Regarde-moi, comme tu dis. Je me suis mariée avec Raimundo sans être amoureuse de lui. Et c'est la pire des choses à faire. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Dis-moi! Je reste avec Raimundo, en étant enceinte de Climaco. Et alors, Viviana, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Oh, Viviana, tu ne seras plus mienne. L'odeur de la plage s'est évanouie. Elle est si loin, ma petite blonde. Rien ne nous unira plus jamais, Viviana. Alors, tu vas pas dire à Tête de Hérisson que tu attends un bébé de Tête de Hérisson? Oh, arrête! Ça suffit! Ça suffit maintenant! J'ai même pas eu le temps de digérer tout ce mais tu ne le digéreras jamais, ma chérie, parce qu'un bébé, c'est bien joli, très tendre, hyper chou, mais c'est triste à pleurer. Si mon test de grossesse avait été positif, je serais dans un asile de fou. Ah, eh ben c'est du joli!
C'est parfait venant de toi. Tu oses encore me demander ce que moi je compte faire? Parce que je devine tes intentions insensées et malsaines de ne rien dire aux méchants têtes de hérisson et de lui faire croire que le bébé est de Ray. Mais quand ce bébé naîtra métis, la mèche sera vendue et tout le monde le saura. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, croire qu'il sera métis n'est pas à 100% sûr parce que Climaco n'est pas si foncé et le bébé ne sera pas forcément bronzé. Les racines sont fortes et puissent bien loin. Bon, Estella, enfin. Même s'il n'est blondiné comme moi, je ne crois pas que Climaco sera têtu au point de dire que le bébé aiderait, parce qu'il sait très bien que je me suis offerte à lui en étant vierge, puisque je n'ai jamais rien fait avec lui. Oui, s'il ne fait pas la brute, ma chérie, tu sais comment sont les hommes. De toute façon, quoi qu'il en soit, il le sera, alors dis-lui tout de suite. Oh, Estella, laisse-moi tranquille, tu es en train de me torturer. Oui, il l'apprendra. D'abord, je dois beaucoup y réfléchir et je ne retirerai pas à Climaco son droit de savoir que c'est son bébé. Mais il faut que je pense à Ray. Climaco apprendra l'existence de ce bébé quand il faudra qu'il l'apprenne. Maître, je suis seulement venu m'assurer que tout coïncide avec la déclaration de bébé. Je veux dire de Barbarita Blanco. C'est chose faite. Eh bien, laissez-moi vous dire que pour moi, tout me semble concorder ici avec les déclarations de Monsieur Rodolfo Aristigueta. Eh bien, demandez-lui. Demandez-lui donc pourquoi il s'est marié avec la fausse Isabelle Vélez. Je crois que si vous posiez cette question, vous obtiendriez une réponse très, mais très intéressante. Écoutez, laissez-moi vous signifier que j'interroge qui je l'entends dans cette affaire et que je pose les questions qui me paraissent les plus pertinentes. Je n'accepte aucune pression, Maître Liscano, pas même de la justice colombienne, qui est commanditaire de mon intervention dans ce cas. La justice colombienne? Mais oui! Maintenant, je sais d'où je vous connais. Je vous ai connu en Colombie, dans un congrès. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec le cas sur lequel nous travaillons en ce moment? Écoutez, je me souviens très clairement de cet épisode. Quand l'orateur vous a salué de manière plus qu'amicale, vous avez maintenu une certaine distance, non? Je ne sais pas, peut-être que c'était un mauvais jour, je n'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, j'aurais dit que ce comportement était très grossier. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi agir ainsi? Vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ce serait clair, mais il s'avère que nous parlons là de Daniel Vélez. Maître, est-ce que, par hasard, vous ne seriez pas en train de cacher quelque chose? Je veux parler de quelque chose qui pourrait vous nuire pleinement dans cette affaire. Ma petite poupée, qu'est-ce qu'on est en train de te faire? Comme c'est dur la vie pour nous. Hein? Mais bon, je te promets que je vais te sortir de tous ces mauvais moments. Je te promets que je vais te rendre ton bonheur. Ce n'est pas le téléphone de la femme qui m'a appelé? Allô? Isadora? Isadora, c'est toi? Oui, Miguel. C'est moi. J'ai besoin de te parler. Je n'en peux plus. Mon amour, il faut que je t'avoue toute la vérité. Toute la vérité. Tiene un tumbao que provoca tentación. Es chocolate irresistible y golosina, pero su alma blanca y pura convirtió mi luna en sol.